ou j'accepte de livrer ce que Dieu m'a donné, ou je le vis. Ou lorsque vous acceptez l'option de refuser que l'ennemi puisse vous raviser ce que Dieu vous a donné, vous êtes obligé de lutter. Amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça. Ou j'accepte. Vous tombez ici dans la gare. Prends. Bon, quand le diable te ravit ce que Dieu t'a donné, ça peut être ton talent, il ravit votre physique. N'est-ce pas? Mais lion et l'ours, c'est l'image du péché. Oui, parce que le péché nous attaque souvent quand nous ne sommes pas encore connus. Le péché, le plus grand péché, le plus grand ennemi de la destinée, c'est l'air lorsque nous sommes dans l'isolement. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, disent qu'on y est cible. Pendant que Dieu les avait appelés pour être célèbres, parce qu'ils ont été tués par l'ennemi de la destinée dans le jour, pendant qu'ils étaient encore dans le jour. Et si David ne tua pas ours et lion, personne ne pouvait parler de David dans le fils. Et c'est lui qui allait mourir. Et son histoire, ça allait s'arrêter là. Oui. C'est ce qu'il dit. Il va à utiliser tous les moyens possibles. Vous avez déjà écouté quelqu'un est mort par le sida? Beaucoup de gens sont morts. Il était proclamé à être élevé, mais les faiblesses, le péché, les ont tués pendant qu'ils étaient encore dans les eaux. Le diable travaille comme ça. C'est pour cela, voyez ce que les diables font. Pendant que vous n'êtes pas encore connu, élevé, béni, les diables luttent pour que vous ne soyez pas béni. Il veut que vous mouriez sans que vous arriviez dans votre destin. Il veut que vous mouriez dans l'isolement sans que vous arriviez loin. Il veut que vous mouriez pauvre, mais Dieu a destiné la richesse pour vous. Il veut que vous mouriez petit pendant que Dieu vous a appelé à être grand. Alors vous devez faire très attention. C'est ce qui est arrivé aussi dans le port de Moïse, de Jésus. Hérode a donné l'ordre que tout enfant, tout un garçon devrait mourir. N'est-ce pas? Jésus était encore bébé, n'était pas encore connu. Le diable est lutté pour tuer Jésus dans les eaux, pendant qu'il n'était pas encore à Paris. Moïse est même. C'est pour cela. Lorsque Dieu vous appelle pour les grandes choses, il y a des choses que vous êtes censé descendre. Et parmi ces choses, le péché. Dis avec moi, je refuse de vivre dans le péché. Parce que le péché, c'est le plus grand ennemi qui peut arrêter votre destin. Amen. Alors, on peut prier, on peut acclamer le Seigneur. J'ai parlé de beaucoup de choses. Mais pour résumer cela, on a parlé de l'exigence de la destinée, n'est-ce pas? L'isolement, c'était un pilier important pour tous ceux qui est appelé à accomplir une très grande destinée. Amen. Ah, maintenant, mets ta main sur ta poitrine, ta main droite sur votre poitrine. On va prier. Demande à Dieu, dis au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je
Je veux que si ta volonté que tu m'amènes dans le chemin de l'isolement, amène-moi là. Demande que la volonté de Dieu te conduise de là où il veut que tu sois. S'il veut que tu passes par l'isolement, demande que le Seigneur t'amène dans ce voie. Demande la volonté de Dieu. Prions, prions, prions. Prions, prions. Prions, Père. Si ma destinée exige l'isolement, Père éternel, amène-moi encore. Si je ne suis si je n'ai pas encore fini avec mon école d'isolement, Seigneur, amène-moi dans l'école de l'isolement. Amen. Amen ton Père. 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 Rabasi Ketele. Mandele de Dieu. Akayabasi. Rababao. Reita Mambo. Reita Pio. Yolo Babas. Rabba 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 Shige. Reba Bobo. Rabba Bosi Tele Sete. Rakata Bosi Tele. C'est dans l'isolement que tu nous capacites. C'est dans l'isolement que tu restaures notre force. Qui a été prise. Nous avons besoin d'ici.